Salut tout le monde, c'est Azarath et on se retrouve pour la suite. Donc, on était arrêté là, on partait vers Novak. On s'est fait avoir pour une embuscade de bandits qui nous ont donné pas mal de fil à retordre. Et là, c'est tout, on continue tranquillement. On continue tranquillement, d'ailleurs, il en restait un là-bas, je crois, de bandits, mais... Où il est le con? Il est là-bas, je l'avais pas vu. Ok, il est beaucoup trop loin pour mon fusil, je laisse tomber. Qui reste là-bas? De toute façon, il a rien sur lui, je crois. Ouais. C'est tout. Nous, on va continuer. On va continuer tranquillou. J'ai encore entendu des coups de feu, je crois. On va faire une petite sauvegarde rapide. Hop, voilà. Il y a un pont là-bas, je suis curieux de voir ce que c'est. Qu'est-ce que c'est ça? Un campement. Et un mirador, qu'est-ce que c'est que ça? Oh là là. Wow! Ah bah putain, c'est la Troisième Guerre mondiale ici. Je crois que c'est... Putain. Je crois que ça fait partie des ou du mode Warzone que j'ai installé. Ça tire de partout, là. C'est là, c'est là, c'est Baston, c'est là. Oh, c'est la guerre, putain! Recrue de la Légion. Ah, c'est la Légion contre la RNC. Oh là 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 là. Mais comme j'ai pas encore pris part au conflit, je préfère pas me... Je préfère pas encore m'appliquer dedans. Je vais les laisser faire. Ah, et non, il y a les Vipers déjà que je peux... Il y a aussi des Vipers. Attends, je vais prendre... Les Vipers, c'est des bandits. Je vais déjà prendre une arme. Fusil à vermine alors. Hop. Fusil à vermine. Munition. Point de creuse. Ouais, non, j'en ai qu'une de point de creuse. C'est tout, c'est pas grave. Ah, c'est tout, hein. On va aider un peu les RNC. Bon, là, je suis un peu loin. Hein. Oh, je suis trop loin, je suis trop loin. Wow. Je l'ai eu. Je l'ai eu. Je l'ai eu. C'est bon. La voie est libre. La voie est libre. Oh putain, une mitraillette. Une armure en métal. Fusil à répétition de cowboy. Ah ça c'est pas mal. Mais par contre il est un peu. Il est un peu pété donc je le prends pas, tant pis. Il y a quoi d'autre? Putain, je vais looter à mort là. 10 mm submachine gun. Ouais. Radaway. Oh ça c'est bien ça. Ok. Oh je suis surchargé, merde. Va falloir que je lâche des trucs ou que je combine des armes. Ouais, je vais combiner les armes. Hop. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Ah, faudrait que je lâche, que je mette l'armure en métal. Hop. Le casque de moto. Ça, je le lâche. Ça, je le lâche. Je la lâche. Hop. Voilà. Merde, qu'est-ce que j'ai lâché? Merde, j'ai fait quoi là? Ah, je sais pas trop ce que j'ai lâché, mais... Ça se bat encore, ça se bat encore. Je sais pas d'où ça vient, mais c'est pas fini, apparemment. Alors, les Légions, ils ont quoi sur eux? Ouais. Ça, c'est la monnaie de la Légion. Fusil à répétition de cow-boy, encore. Je vais prendre. Anti-venin.
cartouches, de la monnaie, etc. Boucher d'iguane. Donc là, je loot tranquillou, hein. Je me fais pas chier. J'en profite. Tiens, encore un truc. Hop. Résistance dégâts plus 25. Ouais, ruban adhésif. Non. Allez! Wow! Wow, comment il s'est fait défoncer! Mon Dieu. Ouais, donc voilà, ça devait tout simplement être une warzone. Une warzone. C'est qui? Oh merde. C'est une Gatling. Oh ah non, c'est ça, c'est un truc. J'ai besoin d'aide, les gars. J'ai besoin d'aide. Je sais pas c'est quoi ce mastodonte, mais j'ai besoin d'aide là. C'est Terminator le truc. Les gars, il y a Terminator qui m'attaque là. Ah! Dégage! Oh là 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 là, mon Dieu! Foutez le corps! Merde, 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 merde. Il y a peut-être plein de loot. Mais là, je vais mourir comme une merde, surtout. Oh, putain. Oh, le truc de ouf, toi. Non, il est trop loin, il est trop loin. Il est juste derrière le mec. Oh, c'est un lance-flamme qui l'a. Ah, c'est un Viper Boss. Enfin, c'est un Viper Boss. Oh, il a lancé le lance-flamme. Ou alors, il est désarmé. Ouh, il est mort. Qu'est-ce qu'il y avait sur lui? Ce machine gun. Encore une armure en métal, capsule, carburant de lance-flamme, casque de soudeur. Ouais, je sais pas, ça doit pas protéger beaucoup, mais bon. Manta. Flammeur, voilà, c'est ça. Flammeur. Service rifle. Je vais prendre le flammeur. Le flammeur. J'hésite. Non, je vais pas le prendre, le flammeur. Hop, par contre, je vais prendre l'armure en métal. Hop, voilà. Et du coup, hop, ça, je fais réparer. Je peux pas. D'accord, je peux pas. Bah, ou alors, je laisse celle-là. Hop. Je vais mettre le casque de soudeur. Hop, ça, je laisse. Hop, voilà. Et du coup, qu'est-ce que j'ai comme arme? J'ai récupéré un fusil aussi, je crois. Hop, déjà réparation. Service, je sais pas quoi là. Service rifle. Ok, oh là c'est nickel. Par contre, il y avait un autre mec là, un autre mastodonte. Tiens, c'est quoi ça? C'est une arme. Il y en a, il avait une Gatling ou je sais pas quoi. C'est pas ça, non? Non, ça c'est l'incinérateur. Ça c'est pas lui. Viper Gunslinger, s'il avait.
9 mm machine gun, il avait rien d'autre. Capsule, cartouche. Ah, je sais pas, mais il y en avait un qui avait une Gatling, hein, je crois. Je suis presque sûr. Y a aussi des corps là-bas, là. Ce qu'il me faudrait, c'est les steam packs, des trousses de soins, des trucs comme ça, parce que... Ouais, y a des corps, mais... C'est des péons ça, c'est des... Ah, Steam Pack! Putain, ils ont des Steam Pack eux. Ouais, il lance grenade quand même le mec, hein. Psycho. Hop, non, je prends rien d'autre. Ça doit être de la RNC. Cartouche. Plaque d'identité, RNC1, étui, ok. Lui, qu'est-ce qu'il a? Cartouche, plaque d'identité. Je prends tout ce qui pèse rien en fait. Comme ça, je suis peinard. Je peux prendre ce que je veux, quoi. Hop. Hop. Radaway. Et prendre des services rifle quand même pour réparer celui que j'ai. Qu'est-ce que t'as toi? Hop, hop. Ouais. Pourquoi j'ai pris le couteau à beurre, putain? Mais merde, le ruban adhésif aussi, ouais, je sais plus ce que je fais, moi. Ça y est, c'est parti. Ah, tiens, toi. Ouais, t'avais pas grand-chose, je crois que j'étais déjà fouillé en plus. Ferme piller, d'accord. Ok. Armure de cuir. Alors, bloc-notes finance, cartouche, fusil à répétition de cow-boy, l'homme d'affaires hebdomadaire. Hop. Micro-cellule à fusion. Tiens, tiens. Hop. Wow, qu'est-ce qui se passe encore? Encore des coups de feu. Wow, putain, je me fais attaquer! Non! Non, 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 oh fuck! On fait une coupure, je me restuff et on se rejoint tout de suite après. À tout de suite. Re tout le monde, donc ça y est. On leur a foutu une branlée. Alors c'est les soldats de la RNC qui ont gagné. Même s'ils sont un peu mal en point. Hein? Enfin bref. Donc voilà, j'ai réussi à récupérer pas mal de trucs. Bon, certains vont appeler ça du cheat. Parce que je les ai récupérés. Sur des ennemis qui ont spawné à cause d'un mod. Bon voilà. Certains vont dire c'est du cheat. Mais je m'en fous, moi je joue comme j'en ai envie. Ah, c'est une bonne baston. Ça met de l'ambiance. Et là on va tout simplement essayer de faire ce que j'avais dit, essayer de construire le petit fort. Alors je sais plus du tout comment on fait, par contre. Je pense que ça va se construire. Par ici, je sais pas où on est là. Je sais pas, je sais pas. Je vais voir la carte. Je vais voir la carte. Carte du monde. Alors, je suis. Ouais, voilà, c'était une warzone. Hein. Ouais. Non, mais... Je dois aller là-bas. Je suis là. Là, c'est encore une warzone. Bunker.
Crimson Caravan Company. Je vais continuer à avancer. Wow, ça retire. Ça tire encore bien, hein. Il y a encore de la baston, je sais pas trop d'où ça vient, mais bon. Ah, il y a un drapeau de la RNC là. D'accord, là il y a des soldats. Là, il y a des... Wow, qu'est-ce qu'ils me veulent? Minute. Mieux vaut ne pas approcher de cet endroit. Toute la ville dégage d'intenses radiations. D'accord. Ces bruits de radiation, qu'est-ce que vous faites encore ici? J'étais affecté au camp Searchlight avant l'incident. Depuis, je m'occupe d'éloigner les voyageurs de ce secteur. Qu'est-ce qui s'est passé? Des légionnaires sont entrés dans le camp et ont activé une sorte de bombe sale, radioactive. Je ne sais pas où ils ont trouvé ça, mais ça a été efficace. Ça a tué presque tout le monde et transformé le reste en goule. Oh putain, des ghouls, ok. Prudence, hein? Ok, d'accord. Non, on va pas s'éterniser ici parce que c'est radioactif de toute façon et apparemment c'est blindé de ghouls. Donc j'irai faire un tour un de ces quatre. Ça peut être pas mal, je pense, de visiter l'endroit, quoi. Ça peut être sympa. Là, on va juste voir. On va juste voir s'il y a moyen de construire notre petite. Alors. Objet. 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 C'était dans divers, non? Je sais plus. Non, aide. Plan water tank. Creating object. Alors, to manipule object, left right bouton rotate zoom main. X bouton et objet rotation mode. D'accord. D'accord. Ok. Donc ça sera le centre de mon campement. Ouais, pourquoi je vois... J'allais dire pourquoi je vois tout vert. Ok. Ouais, t'entends qu'ils utilisent le centre à vue forte. Ouais. Construire de supply storage, tu vois le collecting supplies. Ok. Construct supply storage. Welcome to Westland Defense. Ouais. Il y a des mecs là-bas, là. Wow. Il y a une bande de sauvages là-bas encore. Une bande de sauvages, alors fusil, service rifle, bon, ouais. On va aller voir. Ah, c'est la RNC, ça va. Wow! La baston. La baston totale. Oh, allez hop. J'ai de la RNC, moi. Rien à foutre.
Oh. Oh, doucement. Qu'est-ce qu'il vous faut? Oh, rien, rien. Ah bah putain, c'était... Salut. C'était mouvementé là. Bon, je vais pas m'amuser à tout looter encore une fois. Hein. C'était juste pour le fun. Pouah la vache, ça a bien tiré de partout là. Hein. Mon water tank, oui, il est mon water tank, il est là-bas. Donc normalement j'ai réussi un autre plan. Alors, que je dis pas de con. Supply storage. Ok, creating object. Ok, supply storage. Je sais pas trop à quoi ça sert ça, mais... On va le mettre, on va essayer de le caser. Là, c'est très bien. Ok, donc j'ai mon supply storage alors. Supply are looted from enemies or defeat during siege. You can access your supply via supply storage. Ok. Donc ça récupère les objets que je récupère sur les corps des ennemis qui m'assiègent, apparemment. Donc maintenant, qu'est-ce que je fais? Ah, le quartier général. Donc là, on va construire le quartier général qu'on va mettre. Ouais, pourquoi pas là? Ça peut être pas mal ça. Hop. Alors moi, j'aime bien ce petit mode-là. Il y a un mode qui est pareil sur Skyrim. On construit sa ville et tout. Franchement, il est pas mal du tout, quoi. On s'éclate bien quoi. On passe des heures à construire son truc et tout, mais c'est franchement sympa. Je vais le mettre là. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'il va me dire? Let me construire way to get inside. Ah voilà, faut que je construise la porte. La porte du QG. Alors. Hop. La porte du QG, là, voilà. Essayer de faire ça bien quand même. La porte est là. Ça commence à grandir tranquillement. Hein. Bon, attention, various factions. Ok. To recruit some guards. Ok, donc je vais pouvoir recruter des gardes. Donc là, je peux faire la caserne. Barracks. Donc voilà, ça c'est la barracks. La barracks, on va la mettre à côté, la barracks. Ouais, par contre, le sol a un peu penché, ça m'énerve. Ça me fait chier, il me faudrait du plat, mais... Voir la barracks, on la met à côté. À côté du truc, là. Bon, allez, hop. Alors ça va me permettre de recruter des gardes pour le fort. You won't need very many guards right now, but it's a good idea to have some degree of protection. Ok. Donc je dois recruter un garde. Alors. Alors ça c'est le garde patrol, stationary guard, stationary guard sniper. Ça c'est pour rappeler les gardes de patrouille. Je vais faire les patrol gardes. Hop, un patrol garde. J'ai pas assez de capsules. Ah, j'ai pas assez de capsules. J'ai pas assez de capsules. Drink water, reset fast travel marqueur. Ok. Ouais, j'ai pas assez de capsules. Donc c'est tout.
Qu'est-ce que je peux faire là-dedans? Construire Centurion. Ah oui, d'accord. Ça, c'est avec des ressources, on peut construire des trucs. D'accord. Faut que j'achète de la nourriture aussi, apparemment. Ah, ça a l'air pas mal. Ça a l'air complexe, hein, mais ça a l'air pas mal. Donc, normalement, là... Ah, je vais y arriver ou quoi? Normalement, sur la carte, il y a ma ville d'indiquer. Hop, Azarath Fort. Voilà, c'est nickel. Donc, quand j'aurai plus de sous, je pourrai recruter des gardes, etc. Ma ville sera parfois attaquée, elle sera défendue par les gardes. Et faudra que je fasse... que j'aille rechercher... Non. Que j'aille rechercher Bess, qui me permettra de construire un village. Parce que là, c'est plus un fort militaire que je fais. Mais j'ai un autre mode qui permet de construire un village. Où on fait ses cultures, ses commerces, etc. Donc, au prochain épisode, on ira chercher Bess. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu, hein. La suite arrive bientôt, normalement. On se retrouve très bientôt pour l'épisode suivant, voilà. Car ça fait une bonne demi-heure qu'on tourne encore, hein. Si vous avez une suggestion ou un commentaire à faire, si vous voulez que je me focalise moins sur les modes et plus sur l'histoire, bah dites-le moi, hein, franchement, il n'y a aucun souci. Moi là, je fais les vidéos à l'arrache comme je jouerais d'habitude, mais si vous voulez que je joue différemment, si vous voulez plus d'histoire, etc., et moins de modes, moins de machin et tout, vous me le dites, hein, il n'y a aucun souci là-dessus. Hein. Donc voilà, c'était Azarath pour Gaming for Fun, et je vous dis à la prochaine pour l'épisode suivant. Ciao!